Enfants handicapés, psychomoteurs, c'est bien connu et bien réel en Côte d'Ivoire. Mais il y a aussi la réalité de l'enfant handicapé intellectuel. À la naissance, ils ont eu une difficulté congénitale. Par exemple, quand on parle de trisomie 21, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément les Mongoliens. C'est-à-dire qu'ils ont eu un problème sur la 21e paire de chromosomes dans leur conception. Et c'est ce qui entraînait ce handicap. Beaucoup de capacités cependant chez ces enfants déficients mentaux suffit d'un meilleur encadrement. En Côte d'Ivoire, une fois sortis du système du préscolaire, difficile toutefois de les intégrer. Quand ces enfants finissent la maternelle, le problème qui se pose souvent c'est le problème de l'école primaire. Que faire ? Mais des efforts sont menés par la tutelle, mais aussi par les ONG. La Fédération nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, par exemple, place au cœur de ses préoccupations leurs difficultés. La 8e édition de la journée de solidarité envers les enfants handicapés est le lieu de sonner l'alarme. Thème choisi, quel avenir pour l'enfant handicapé intellectuel d'aujourd'hui? Nous interpellons les autorités pour qu'en matière d'éducation, ces enfants puissent être pris en compte afin qu'une fois devenus grands, ils puissent vraiment être intégrés et pouvoir exercer un métier afin qu'ils puissent être des citoyens à part entière. Pour Bagaté Bolou, inspecteur général au ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation professionnelle, les autorités entendent tout mettre en œuvre pour une insertion socio-professionnelle de cette frange de la population. De l'espérance et de la bonne humeur alors, au terme de cette activité dont attendent beaucoup les handicapés de Côte d'Ivoire.